Force à voix de l'Amérique, presse information nationale et internationale. Rendez-vous cassé. T'allez comme ça. Démocrate ici aux États-Unis. Trump a organisé un rassemblement dans le quartier South Bronx pendant que l'a essayé de convaincre un électorat minoritaire quelques jours avant que un jury dans Manhattan prêt commencer à faire délibération sur cas criminel ça, qui t'a dû condamner sous accusation que t'a fait fraude et puis payer l'argent pour faire même bouche vedette film porno à Stormy Daniels que t'a gagné relation sexuelle ensemble avec lui. Donald Trump t'est parlé avec plusieurs milliers de supporters dans Cortona Park, une place publique dans un quartier qui principalement habité par Panyol et Moun Noir dans South Bronx. Un quartier qui parmi ville qui plus diverse et plus pauvre, ça qui très différent de campagne que Donald Trump habitué fait yo dans zone en majorité blanc côté que le fait plus fort dans rassemblement li yo. Ancien président t'est l'ouvri campagne rassemblement ça dans zone là avec un éloge pour ville Natalia. Il t'est parlé de façon que t'est commencé par en bas échelle là comme un petit commerçant hollandais avant que t'est vienne tourner un gros businessman capitaliste qui t'est vienne très célèbre et qui t'est inspiré le monde. N'a rappelé que Donald Trump t'est fait dans ville New York là, il t'est établi résidence là dans état Floride là dans année 2019. Hello New York City and hello to all of the incredible tough strong hard working American patriots right here. In the Bronx. Bonjour ville New York et puis bonjour à tout patriote américain incroyable qui fort et puis cap travail dit ici là dans Bronx et puis moi là souhait pour me déclarer que nous pral virer ville New York là et nous pral virer très très vite. We're going to bring nous pral porter sécurité tourner dans la rue New York. Nous pral porter succès tourner dans l'école New York. Nous pral porter prospérité dans chaque quartier New York, dans chaque municipalité, dans pi gros ville dans pays a, dans pi gros ville dans pays a qui c'est New York. But sadly, this is now. Mais malheureusement, Kounia, c'est une ville qui en baisse. Et puis, nous gagnons foule immigrants qui a goumé avec officier police New York. Mais nous pas prêt à quitter ça à continuer. Nous pas prêt à l'abandonner espoir nous à fierté nous. Ville ça a bas nous en pile. Et puis, Kounia, il temps, il l'heure pour nous remettre ville là, ça li bas nous déjà. Ensemble, nous pral faire ville New York là, ville une grosse ville encore. Et en même temps tout, nous pral faire America retourner une grande nation encore. Avec Donald Trump qui bloqué dans New York à cause jugement liant pendant plus passé 6 dernières semaines qui sont passées là yo, campagne candidat républicain t'est planifié faire une série arrêt local à travers ville natale ancien président avant et après tribunal là. Il était visité une bodega dans Harlem. Il était passé dans un chantier et puis il te fait photo app dans une station pompier locale. Mais rassemblement ça dans Bronx, c'est premier événement qui ouvert à public là en général parce que il insistait que l'a fait gros effort pour gagner un état qui en majorité démocrate qui pas qu'au jamais appuyé un républicain pour président depuis époque président Ronald Reagan en 1984. A pas créé un spectacle rassemblement avantage qui ka gagné sous problème économique à problème immigration yo. Si toutefois électeur New York yo ta kabali vote yo nan yo état clé pour démocrate yo qui c'est ville New York là. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. C'est comme ça Kenya t'a choisi pour te accepter mission si là. Nous ba l'autre forme assistance tant cours dans domaine technique, renseignement, équipement avec logistique pour aider Kenya remplir mission hein, ensemble avec l'autre pays qui a participé dans mission sécurité a. Donc moi bien content que président Ruto accepté prendre tête mission force multinationale là. Souvent par le président Kenya William Ruto qui t'a répondu question journaliste pays qui t'a demandé qui intérêt que lui-même li gagné pour l'aider sécuriser Haïti, un pays bien loin avec continent africain alors que même problème qui gagne en Haïti il existait dans pays Kenya. Kenya believes that the responsibility of peace and security anywhere in the world including in Haiti. Eh bien président Ruto te répond n'importe côté dans monde là tant qu'au Haïti c'est une responsabilité collective tout pays tout monde qui croit dans liberté démocratie et justice pour aider un pays qui en a besoin et Haïti pas fait exception. Puis loin monsieur Ruto rejeté parole qu'a parlé comme quoi c'est États-Unis qui impliquait Kenya dans mission en Haïti. We don't find that the US is committing Kenya. En tout cas, monsieur Ruto dit États-Unis pas capable engager Kenya. Moi c'est président Kenya, c'est moi-même qui prend responsabilité ensemble avec population pour nous déployer force police là. Nous gain approbation parlement pays nous. Donc c'est raison qui fait Kenya prend responsabilité pour lui diriger mission à cause nous quoi dans sécurité avec stabilité. Instabilité
avec insécurité d'un côté, c'est instabilité avec insécurité tout côté, d'après chef d'État Kenya William Ruto. We are going to take up that responsibility alongside the Haitian police, and we have clear modus operandi. Concernant l'activité gang armée dans le pays, eh bien, M. Ruto a déclaré gang avec criminels n'ont pas de nationalité, n'ont pas de religion, n'ont pas de langage. Donc, c'est confronté d'après la loi. C'est la raison qui fait nous former une coalition en plus de États-Unis avec Kenya pour nous sécuriser le pays, pour nous casser les criminels avec gang qui la souffrance dans la population. Alors, c'était conférence de presse entre président Joe Biden avec président Kenya et William Ruto qui a fait une visite d'État aux États-Unis. Pendant 4 jours, on a dit tout, il y a un groupe militant haïtien qui était soutenu New York, comme Okoda, et qui a même été venu manifester à l'offre manifestation 3 temps. Il y a un devant Maison Blanche, il y a un autre devant ambassade Kenya, toujours dans Washington, et troisième, il y a fait devant ambassade d'Haïti dans Washington. Justement pour protester contre la présence troupes kenyanes dans le pays d'Haïti. Nous traversons, nous parlons dans l'autre nouvelle, porte-parole d'une organisation politique proche ancien pouvoir dit, il est d'accord avec la déclaration du président kenyan William Ruto fait pour dire que force sécurité internationale là pour démantibiler Grand Améo Renan Toussaint. Déclaration président pays Kenya William Ruto pendant visite li aux États-Unis, précisément Washington DC. Déclaration à savoir, mission multinationale soutien à sécurité en Haïti a bien crasé. Foyer Gagnon, joint support M. André Michel, qui se porte-parole, secteur démocratique et populaire. Moi, d'accord avec président Ruto, force internationale là, mission force internationale là, c'est venir aider la police craser gang. Et moi, féliciter déclaration ça, qui pas quitté aucune confusion. Parce que nous-mêmes dans SDP, nous disons déjà, pas de rien ou capable de faire avec gang, pas de négociation avec gang, pas de amnistie pour gang. Puis le problème pays a gagné aujourd'hui, c'est problème gang, c'est problème insécurité. Et nous sommes d'accord à 100% avec la déclaration du président Ruto, c'est une déclaration d'homme d'État. Et c'est notre position. Et nous pas quitter aucun monde, aucun manœuvrier politique à le passer en battable pour aller en négociation avec gang pour bay gang amnistie. En tout cas, premier contingent, il y a un groupe policier kenyan qui doit arriver en Haïti fin mois mai 2024 là. À cause conditions logistiques yo poko fin réuni, y a tant mois juin pendant que préparatifs en termes infrastructure pour accueillir soldats différents pays qui fait partie. Force là avancer sérieusement. Où est Toussaint? Pour VOA Creole, Port-au-Prince. Toujours en Haïti, Conseil présidentiel transition a fait 2 rencontres jeudi 23 mai pour discuter modalités avec déploiement force sécurité étrangère dans le pays de Kenya, dans tête mission ça, mission sécurité Yves Manuel. Pendant que Conseil présidentiel a pour organe public mode fonctionnement transition, malgré une résolution qui instaurait une présidence tournante avec une majorité 5-7, un Conseil ministre réalisé jeudi à l'extraordinaire pour fixer modalité. Objectif clair, réaliser une transition dans transparence et planifier avec un pile rigueur projet au profit population haïtienne. C'est en tout cas ça nous capable dans un communiqué la présidence publié sur page Facebook officielle. N'a souligné décision ça qui prend pendant conseil ministre gain pour particulièrement sous présidence Tonatlan qui a joué entre Edgar Leblanc fils, Smith Augustin, Leslie Voltaire et Louis Gérald Gilles. Dans ça qui concernait processus désignation prochain premier ministre transition, Conseil présidentiel n'a pas fourni trop d'informations sur avancé processus là. Cependant, quelques sources sont capables de faire confiance, fait qu'on est sur 68 dossiers conseillers présidentiels yo Kembe, gain environ 5 là-dedans qui ta Kembe après étude en profondeur qui fait sous dossier yo. C'est docteur Gary Conny qui désigné par un ingénieur Fritz Belizer, petite Dessaline désigné, docteur Paul-Antoine Bien-Aimé,
Alix Didier Fizeme, secteur privé affaires, avec Gérald Germain. Selon conseiller présidentiel Smith Augustin, d'ici week-end ça même, population haïtienne t'a doué connaît qui est-ce qu'a vienne premier ministre transition officiellement. Parallèlement, conseil présidentiel transition rencontré jeudi 23 mai délégation kenyane qui en visite dans pays d'Haïti. Préparation, mise en place, déploiement mission multinationale sécurité et soutien t'est dans mitan discussion yo. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis, week-end, ça, c'est un long week-end aux États-Unis. C'est pour l'Amérique marqué jour du souvenir, là. C'est plusieurs dizaines de millions d'Américains qui ont fait déplacement sur un côté pour aller dans l'autre. Sandra Lemaire a penché sur la question ça pour nous. Autoroute et aéroport États-Unis ont pu charger couzeuse voix pendant le week-end. Dans le moment américain, a mis dehors pour célébrer fête nationale qui relève Memorial Day, jour du souvenir. C'est jour côté américain songer tout militaire qui mourit dans la bataille pays. Organisation qui relève AAA, Association Automobile Américaine, prédit c'est pas le week-end côté plus moun a voyagé dans saison été. Yo di yo attendu à ce que 43,8 millions moun voyagé au moins 100 km entre jeudi avec lundi. C'est pi gros quantité moun yo constaté depuis 20 ans. Administration Sécurité Transport, TSA, lui-même, dit qu'il y a 3 millions de monde qui va passer dans le check sécurité aéroport vendredi. Agence Nouvelle Associated Press a parlé avec voyageuse Larissa Latimer qui était dans l'aéroport O'Hare, Chicago. Our flight was fairly reasonable because I travel with my mom and so I always like to travel first class. Les vols étaient parce que moi voyager avec ma mère donc moi toujours aimé voyager en première classe. Donc moi t'ai fait préparation pour saison ça 3 mois à l'avance. Donc moi t'ai joindre un bon vol. C'est hôtel moi t'ai quoi qui était très cher. Au fait Latimer dit toute bagaille tête nègre. I think in the case of things that I have to travel for, I just have to make accommodations. Moi obligé voyager, moi obligé accommoder, mais tout bagage cher, machine location yo tête nèg et puis hôtel yo tout. Voyageuse Cathy Lorco te plaignait pour prix yo tout. Made me use my miles. Il dit moi t'es obligé servir avec crédit voyage, moi tellement privilégié yo t'es cher. Lorco dit il était obligé plus flexible tout. It makes us travel on different days. Les dix nous t'es obligé voyager différents jours. Moi très conscient de prix voyage à coûter et puis hôtel et tout. Qui donc nous t'es obligé prendre hôtel plus loin parce que ça nous t'es espéré à. Ligne aérienne américaine attendu à ce qu'il a transporté une quantité record passagers pendant la saison été à américain mais dehors par bon et par paquet dans moment côté sondage il fait qu'on est citoyen États-Unis gain gros cœur sauté pour économie et puis direction pays à apprend. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis, actualité a parmi vedettes musicales haïtiennes avec Judon Sri depuis Miami, Floride. Jessica Assaïd, alias Dédé, qui est un artiste solo, qui produit plusieurs musiques et fait diverses performances avec rappeur Fantôme, Orchestre Gabel, Harmonique Design et l'autre encore, décidé pour lui rejoindre groupe musical Investir Music Band comme deuxième lead vocal. Nous demandons à l'artiste là, pour qui ça, c'est Investir Music Band, c'est pas un autre jazz. Bon, moi, quoi, dans la mission investir, parce que ça investit représenté, et pour ça que nous gourmet, moi, c'est place, moi, avec collaboration, ça a été une collaboration qui était planifiée comme si, in the universe. moi, fier pour moi, participer ensemble avec eux, parce que moi, travail là, son travail qui est extremely amazing. Nous représentons les jeunes artistes qui travaillent, qui font effort. Qui a préparé, qui a dépensé l'argent pour produire belle musique, bel travail pour nous. So, c'est pour ça investir. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Atkinson Belizer, alias Zigizag Zagalo, qui est un organisateur soirée dansante dans le pays d'Haïti, est de passage dans l'État Floride. Nous demandons des promoteurs opinionnistes sur l'évolution, mesdames, dans HMI.
Les amis ont grandi, ils ont pris un podium pour eux, notamment au monde comme Wichel, qui commençait très international. Beijing, qui commençait, monsieur très intéressé, qui on voit très sensuel, qui est très, très attirante sur scène. Donc, suivi de Fatima, de Darlene Desca, de Misty Jean, de au monde comme un jeune comme Leïka Paul. Donc, on Martine Alexandre Davinito. Donc, mesdames, ils ont commencé à prendre place, donc, ils ont dit qu'ils ont pouvoir tout. Nouvelle toujours sous vedette yo dans HM Island, groupe musical T-Vice nominé dans catégorie Compa Band of the Year par comité Caribbean Music Awards qui vient pour dérouler pendant été 2024 là dans New York. Nous demandé Roberto Martino avec qui sentiment il recevoir nouvelle là. Mon cher, je suis fier, je suis content et parce que si regardez T-Vice c'est une dans jazz dans business là qui a plus bien joué et T-Vice c'est une jazz. Malgré les balles toujours en bon ligne droite. Elle dit que n'a pas genou au senti, n'a représenté Haïti tout côté, n'a joué ici, n'a pas fait n'a pas privé, nous affiché tout côté et fait nous toujours prend. So, on pense que juste il fait et on va juste remercier l'équipe qui nomine nous et espérer n'a bien. N'a signalé que dans la catégorie Compa Band of the Year, gagne 7 orchestres haïtiens, parmi eux, groupe musical Class, Zafem, New Look, Kai, Beijing à Cadillac, Vibe, Activice. Pour toute nouvelle, souvenez d'être dans HM Island, non pas, c'est Jude Onsre, pour Véwa Creole, Miami. Et puis, conseil municipal de Chicago a dit mois de mai, comme moi, héritage haïtien, au bé de l'ami. Conseil la mairie Chicago a été voté dans le jour mercredi 22 mai, une résolution qui déclarait officiellement mois mai comme mois héritage haïtien américain. So it's been stated Haiti and Chicago has a Jean ça se décide là. Haïti et Chicago ont un lien spécial. Histoire nous m'a connu depuis même dans fondation ville nous. Deux jours avant passage résolution ça, magistrat ville Brandon Johnson a organisé une réception privée dans la mairie qui a réuni plusieurs citoyens et personnalités dans la communauté haïtienne. L'événement ça a servi comme première célébration officielle mois héritage haïtien américain. Dans l'occasion ça, chef poste consulat haïtien Yuri Emmanuel a parlé comme ça. Geste ça c'est témoignage qui montrait comment qu'il tire langue et héritage nous vraiment riche. Et c'est en gros reconnaissance pour contribution communauté haïtien-américaine portée dans gros ville ça. Magistrat Johnson t'est parlé dans même sens ça, non seulement pour faire éloge contribution communauté haïtien portée dans Chicago, mais tout faire une promesse un petit Jean vague pour investir plus dans communauté a. Je dis à la communauté haïtienne-américaine dans Chicago, continuez à contribuer dans tout quartier nous, dans l'école nous, dans le gouvernement, restaurant, business et plus encore toujours. Là où choisi faire élévation famille, aller à l'école avec notre travail, impliquer dans la ville là, et faire qu'il tire fleurir dans le quartier, ou vraiment aider à renforcer la ville de Chicago. Je voulais faire connaître l'administration PAM qui prend engagement pour travailler avec vous pour renforcer l'investissement ville là dans le quartier avec les gens. Faut nous dire adoption mois héritage haïtien américain dans Chicago c'est résultat plaidoyer en pile leader ak organisation haïtien américain. Quelques haïtiens qui t'ai participé dans réception ça, tant que Venita Higgins qui habitait dans Chicago depuis plus passé 60 années, pas de cacher contentement yo parce que au senti résolution ça a aidé mettre kilti ak identité yo plus en valeur dans ville. Mais gain grande importance parce que bien content que Chicago reconnaisse que nous-mêmes haïtiens nous prenons part là-dedans. Parce que comme vous déjà vu là, à Jean-Baptiste de Sabot, c'est lui-même qui reconnaît qui crée Chicago. Et puis nous sommes pas de la pays. Obed Lamy, pouvez-vous à créole? Pas oublier dimanche ça, c'est fête des mères en fait. Nous tous, pas oublier non? Dimanche, c'est fête maman. Et puis on a dit tout pour un bon week-end. Non, Jean-Marc Hervé Abela. Et l'autre monde qui t'a aidé à mettre l'émission ça sous pied, gentil Augustin Junior et chef service ça, salutations. Bon week-end tout le monde. Moi, je vous remercie parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité et patience. Si vous voulez parler, je vous quitte. Vous n'avez pas mon Dieu parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas M. Foucault. Rendez-vous cassé demain matin. Mouah. Bisous, bisous. One love.